Mais c'est peut-être juste un problème de tonalité. De quoi? Ah non, mais la réalité, c'est que c'est de la merde. Depuis ce matin, tu joues toute la merde. Non, mais tu crois quoi? Tu crois que je suis là pour quoi, moi? Tu crois qu'ils sont là pour quoi, eux? Hein? Tu sais combien ça me coûte, cette merde? Alors maintenant, tu vas arrêter tes slots à la con et tu vas me faire le plaisir de jouer quelque chose de bien. Pas vrai! Putain, le boulet! Arrête de filmer, arrête! Restera de la tendresse. Non mais attends, Jean-Jacques, qu'est-ce que tu me fais là? C'est la même chose que tout à l'heure? On la finit pas? Non, on la finit pas, non. Non, on finit pas ta chanson de merde parce qu'elle intéresse personne là. Restera, machin là. Putain, mais tu crois quoi? Que Céline Dion elle a écrit La vie en rose en 2 minutes? Je crois pas que ce soit Céline Dion qui a écrit la... Je crois pas que ce soit Céline Dion, mais tu la connais Céline Dion, toi? Non, tu vas pas m'apprendre mon métier, merde! Alors tu fais ce que je te dis, et tu fermes ta gueule, et puis c'est tout! Putain! C'est incroyable! Mais incroyable! Le mec, il joue 2-3 accords sur sa guitare, là! Il se prend pour un cadavre! Ah, jamais vu ça! 30 ans de métier, jamais vu ça! Ah, jamais vu ça! Incroyable! C'est-à-dire que moi je suis plus dance à la base, tu vois, genre David Guetta, Chimène Badi, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est pour ça que je te connaissais pas, quoi, tu vois. C'est pas grave. Ouais. Et sinon, je veux dire, t'as vendu beaucoup de disques par rapport à Matt Pokora, par exemple. Hein?